Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur District 117. On se retrouve enfin pour continuer cette putain de campagne sur Troy Total War Saga, parce que ça fait énormément de temps que je l'ai commencé et ce serait peut-être bien de la terminer un jour. Alors, donc là dernièrement, comme vous pouvez le constater, j'ai joué avec les Amazones, ça n'a rien à voir. Je vais donc reprendre ma partie avec la FTI. C'est bien celle-là. Oui, c'est bien celle-là. Normalement, on était pas trop mal aux dernières nouvelles. Si je dis pas de bêtises, je crois que je suis allié avec Itak ou Spart, je ne sais plus exactement. Bref, nous allons regarder ça maintenant. Magnifique cyclope, comme vous pouvez le constater à gauche. On dirait qu'il porte une cagoule. Bon, ça n'a rien à voir évidemment, mais bon, bref. Vous avez compris l'image, quoi. On va faire de la bagarre un peu, parce que la bagarre, ça manque. Ça manque, ça manque. C'est vrai que cet été, il n'y a pas eu masse de vidéos, comme vous avez pu le constater. En même temps, j'ai été pas mal occupé, parce que, bah, 2 ans sans concert, ça veut dire qu'au bout d'un moment, les concerts reprennent. Donc, du coup, il y a eu masse de festivals en même temps, et. Bah, voilà. Je ne vais pas épiloguer davantage sur le sujet, mais vous avez compris l'idée. Puis bon merde, faut bien se faire plaisir de temps en temps, c'est l'été, il fait chaud de toute façon, voilà quoi. Mais en plus, accessoirement, ça me fait penser d'ailleurs que j'ai réfléchi l'autre jour, je me suis dit qu'il fallait que je change de carte graphique, parce que les derniers jeux là auxquels j'ai joué, c'est vrai qu'ils commencent à galérer un peu. Ma GTX 970 commence à appuyer un peu du cul. Aujourd'hui, c'est même plus ce qu'il faut pour jouer au jeu avec un niveau moyen, on va dire, donc ce serait bien de voir si on peut pas changer ça un peu de temps en temps. Enfin, si on peut pas changer ça d'ici la fin de l'année. Faudrait que je regarde là sur le forum. Il y a un forum qui est très bien d'ailleurs que je vous conseille, il s'appelle Config Gamer, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est très très bien pour acheter du matériel informatique. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais fait un sujet sur un forum pour ma configuration, en disant voilà, j'aimerais bien ça, je fais ça, est-ce que vous pensez que la configuration peut être viable ou non, et voilà. Alors, donc, ah voilà, c'est ça, c'est Spart. Ah non, c'est Spart et Itak. Les deux en fait sont encore de la partie. Bon, Spart c'est clairement celui qui a un petit kiki. Bon, ça va encore. Et Itak, c'est la grosse machine. Ah, quoique. C'est un peu mitigé. On a un peu de tout. Mais bon, en tout cas, ça y est, ils sont en train de s'énerver, là. Ils sont en train de faire rouler des mers par douzaines. On va pouvoir s'énerver un peu. Oui, effectivement, ils ont des... Ouais. Ça fait un bail hein, que j'ai pas joué. Parce que les seuls jeux auxquels j'ai joué, là, cet été, c'était des... C'était des petits jeux, tranquilles, ou alors des vieux jeux par-ci, par-là. Je me suis pas mal remis à... comment il s'appelle? Putain, ça y est, j'ai mangé son nom. Mais du coup, ouais, voilà, j'ai joué à d'autres vieux jeux. Alors, C'est vrai. Donc lui, il est quoi? Il est en marche forcée. En marche forcée, donc ça, faudrait que je récupère. Très bien. Ah oui, c'est vrai, et là-haut... putain, ah, j'avais oublié. J'ai commencé la guerre avec les gens du Nord. The King in the North, comme on dit. Et lui, il fait quoi de sa vie? Lui, il a 16 pélos. Ah oui, non. Il faut que je recrute des gens comme ça. Sauf que... Non, pas la diplomatie, espèce de con. Il faut que je fasse... Petit culte d'Athéna. Ah. Je manque de thunas. Donc, dans tous les cas, on va retourner dans notre fameux onglet à diplomatie. Ouais, il a... Ah ouais, mais est-ce que j'ai pas mon... Est-ce que j'ai pas ma tête de con, là, ma tête de lard? Je vais voir un peu. Ah! Merde. Ah putain, il y a moyen que j'ai mon... c'est ça qui est vraiment chiant avec Achille, c'est que putain, c'est une tête de con. Ah, j'en étais sûr, putain. Eh bien, tant pis. Bah, j'attendrai le prochain tour pour avoir des munitions. Pour avoir de l'or, pardon. Ah oui, c'est ça, je voulais prendre des archers. Des archers ou des. Alors attends, eux ils peuvent quoi faire? Ils peuvent faire quoi? Des archers hacker un lourd. Sinon, on les recrute en mode balai-couille et puis voilà. Ouf. Mais j'ai pas des chars aussi. Trop le charreau. Est-ce que c'est vraiment intéressant du char, je pense pas. Ah, vas-y, on s'en bat les couilles. Puis de toute façon, les chars ça coûte de l'or, donc au final, c'est pas bien important. Bon, comme vous le voyez, la supériorité est là, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une question de temps avant que nous arrivions à finir cette campagne. Sauf que j'ai envie de la faire de manière correcte. Parce qu'en plus, je me suis fait rouler le cul il y a 2-3 parties. Ça m'avait un peu saoulé. Et voilà, j'avais envie de m'énerver un petit peu. Parce que je crois qu'ils ont encore quelques unités, là, les gardes de Troie. Le problème des gardes de Troie, c'est que, bah, en fait, c'est des petits bâtards. Et qu'on les retrouve un peu partout, malheureusement.
Ah. Alors, j'avais déjà en fait fait le... Oh. Putain, je suis un génie. Bon, c'est pas grave, je vais perdre encore un tour, mais c'est pas grave. Ok, alors. Ah. Ah putain, il va venir me casser les burnes, lui. Ah. Attends, Samos. Samos. Est-ce que je les baise? Je les baise pas vraiment. Ah. Ah non. Putain, en plus j'ai plein de bénédictions, mais... Ah merde, quoi. Ah ouais, non mais oh là là. Oh là 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 là. Ou alors faudrait que je la fasse moi-même. Ah, cette réseau auto qui me fume quoi, mes unités les plus fortes du jeu sont, niveau 8. Ça me casse les couilles. Putain. Bon, au moins j'ai pas perdu 4 unités comme un connard parce que c'est ce qui serait arrivé sinon. Alors, du coup. Ah, notre petit Achille qui est juste là. Très bien. Ah oh, putain, mais ils ont des garnisons en plus de malades mentales, ça m'énerve. Ah oh là là. Ah, faut vraiment qu'il y ait Itak et Sparte qui s'énervent un bon coup et qui récupèrent toutes les villes là de merde en bas là. J'espère que... Oh non mais... C'est quoi cette armée de pélo? Ah putain. Oh là là, une armée de fondeurs. Qu'est-ce que tu veux foutre avec une armée de fondeurs? Alors, on a eux aussi qui peuvent s'énerver un petit coup. Est-ce que j'ai assez? Est-ce que c'est suffisant ça? Je sais pas. Hmm. 15 personnes, ça c'est chez moi, ça c'est chez moi. Ou alors sinon je les fais rejoindre tous les deux. Oh. Je vais faire rejoindre tous les deux au prochain tour. Comme ça, ces armées-là, une fois qu'elles seront ensemble, elles pourront écraser n'importe quelle ville. Un peu comme celle-ci, qui va venir casser des fesses par douzaine. Ah. Oh. Ah, putain, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ah là là. L'image terrible pour la France. Et ensuite, un haut. Un haut, un haut. Là, on a commencé, à leur, casser les, roustons. Ah oui, avec notre fameux, petit Patrocle. Est-ce que je peux attaquer ça? Non, je peux pas attaquer. Ouais, de toute façon, là, on va y aller. Hein. Là, c'est le, rouleau, c'est l'heure du rouleau compresseur. Alors, attendez. Hop. Alors... Les Amazones qui sont encore vivantes. Alors ça, c'est curieux, ça. Avec une armée de d'unités d'embuscade des forêts. Les petits pélos, là, avec leur tête de loup à la con. Ok. Et nous, après, alors, l'agent pas déplacé. Continue à Apex un petit peu en attendant. Ah oui, c'est vrai. Normalement, j'avais tout optimisé partout. Hein. J'ai pas besoin de... À part quelques villes, voilà. Des... Petits trucs comme ça, mais de toute façon, vu qu'on est en train de rouler sur des darons à 12 km, on va pas non plus y passer 20 ans. Je crois qu'en off, j'avais mis... j'avais fait exprès, en fait, à... Comment dire? En off, j'avais passé, ouais, peut-être une heure ou deux heures à, tout optimiser comme il faut, parce que ça, bon, en, gameplay, c'est pas hyper intéressant non plus. Enfin, au, début c'est intéressant, mais le faire à chaque fois et tout, c'est un peu, casse-couille quoi. Mais bon, de toute façon, comme j'ai dit, hein, on n'est plus là, pour trier les lentilles. On est là pour faire la castagne. Oh mais la blague. Putain, c'est pas vrai. Ah, cette IA quoi, putain, mais cette IA. Ah, ça m'énerve. Bon. Oh putain. Je vais être obligé de faire une bataille à la con, tout ça pour pas perdre une ville à la con. Ah oh, mais vraiment quoi. On en est arrivé là. C'est image terrible.
Tu as d'ailleurs une petite parenthèse, mais j'ai rejoué à Age of Empire hier. Age of Empire 4, hein, pour ceux qui savent. Et putain, bah en fait, le jeu est toujours buggé sur pas mal de trucs. J'ai quitté le jeu, et en quittant le jeu, c'est encore buggé. En quittant le jeu, c'est un truc de fou, quoi. Enfin bref. Alors, donc ils vont arriver par le nord. Ah putain. On va voir ce qu'on va arriver à faire quand même, parce que bon. Merde, j'aurais dû les cacher dans les fourrés. Bon, on va accélérer un peu, hein, parce que. Qu'est-ce qui branle? Ah non. Oh la vache, ils sont nombreux quand même. Ah oh, putain. Ça y est, ils commencent. Ah, ok. Allez, on va charger en premier parce que au moins comme ça. Voilà quoi. Et eux. Avec lui, je vais faire charger sur le héros parce que c'est le héros qui risque de me casser les couilles peut-être le plus. Ah, obstrué, merde. Oh la vache. Putain, lui dès qu'il tire, il me tue deux hommes quoi. C'est putain de flèches. C'est plus des flèches, c'est des harpons qui tirent, quoi. Par contre, en corps à corps, il devrait pas trop arriver à se démerder. Ça va peut-être le faire. Ça va être chaud, mais ça va peut-être le faire. Oh la vache, ils prennent des claques quand même. Ah putain. J'aurais dû les bouger dès le départ. Ça, ils passent derrière. Un peu en mode ninja, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça eux ils arrivent et par derrière bam 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 bam. Léger des cailloux là. Voilà. Voilà. Ça c'est une belle victoire ça. La victoire. Ouais, finalement les. Hey. Les coureurs de G, ils ont fait le taf hein. Hey, hey. C'est bon ça. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, je sais pas s'ils vont arriver à le buter ou pas. Le héros ennemi. Ah si. Voilà. Allez, emballer c'est pesé, on enchaîne. Parce que si on doit faire toute la journée comme ça, on va pas terminer. Hein. Bon, ils en ont tué un, mais au final, c'était quand même un. C'était pas le pélo du coin, quoi. Ah ouais, par contre, ouais, heureusement que j'avais eux aussi, hein, pour arriver derrière et mettre des flèches dans le cul, parce que... Enfin, pas des flèches, ils lancent des javelots, mais... Les javeliniers. Une discipline très noble au spa olympique. C'est pas un héros qui meurt, d'accord. Pandar. Non, ça, c'est son remplaçant, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ouf. Ouf. Voilà. Après une petite claque, allez, bim. Bon, lui, il va repartir là-bas. Voilà. Là, il y a Hector de Troie qui est revenu au combat, donc lui, il faut que je m'en occupe assez rapidement aussi. Oh merde, lui, il va venir me casser les roustons. Ah, oh, j'en étais sûr, putain. Ah. Alors, lui, il va bouger là. Comme ça, eux. Voilà. Là, normalement. Ah oui, non, il manquait le héros, effectivement. Okay, et maintenant, on va bouger par là. Aïe. Ouais, faut rester en mer le temps que. Alors, ensuite. Bon, ça c'est de la dope, ça va être pété en 3 secondes. Qu'est-ce que je fais toutes ces villes? Je les pète? Peut-être leur raser le cul pour être tranquille, parce qu'au moins comme ça... Hop là. Bon là normalement je perds personne. Hein. Oh putain c'est marrant ce skin. Ah mais non mais c'est le skin de... Alors je sais plus comment il s'appelle, ça y est j'ai mangé son nom. Ah j'ai oublié.
Alors, lui ou lui? Je pense que eux, ça se pète plus facilement que eux. On va essayer, on va voir. Bon, ça va. Allez, let's go. Où ça? Ça va, s'ils sont juste blessés, tant que je perds pas l'unité, je m'en fous, quoi. Allez, let's go. Petit point de compète-pète. De compé-pète. Alors, les dégâts en mêlée ou les dégâts perforants? Dégâts perforants. Hop. Et lui, pareil aussi, hein. Ah, qu'est-ce qui lui manque? Alors, à la charge ou à la portée des unités lance-projectiles, sachant que... Ouais, sachant que j'ai du beau monde, on va prendre la charge. Hein. Faut entrer un bouclier en plus. J'ai que ça, donc oui, oui. Ah oui, bah oui, en plus, j'ai les... De toute façon, j'ai eux, donc il leur faut de la charge aussi, évidemment. Très bien. Donc lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Là. Où que c'est qu'on en est? Ah, il perd encore deux unités, ça me va toujours pas. Ok, alors là, Achille, bam. Mais là, normalement, si tout se passe bien, je les pète. Ah. Ah, le Minotaur fait chier, quoi. Ah, tant pis, c'est pas grave. Tant pis pour le Minotaur, hein. Fuck off. En fait, l'unité d'Archille, c'est l'armée la plus pétée du monde. Parce qu'il y a que des Myrmidons au niveau 9. Et en fait, elle se fait dégommer. Elle se fait goumer toutes les 5 secondes, quoi. Ça m'agace. c'est quoi ça? Antea? Ouais, si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Bah, au moins, comme ça, je sais que la ville se verra pas reprendre comme ça en claquant des doigts, quoi. Ok, bim. Petit point de compétence aussi. Des unités armées de hache ou des unités armées de lance? J'en ai aucune des deux, j'ai que des unités avec des épées. C'est merveilleux. J'adore les points de compétence comme ça, c'est tellement utile. Alors, pam 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 pam. Ouais, allez, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on peut recruter dans l'armée? Ah. Ah, ça me fait plaisir ça, madame. Ouh. Oh, des petits chars là. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est bon ça. Petit char niveau 6 là en plus. Niveau 6 ou 5? Non, 5. Ouais, 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 ça c'est bon ça. C'est très très bon. Ok, ah oui, il nous reste eux là. Alors, ah putain, c'est une blague. Vas-y, mais alors, je sais que c'est marqué léger, mais putain, quand même quoi. Ah, faites pas d'efforts, franchement. Bah attends, bah avec cette armée, en attendant, je vais leur péter la gueule. Hein. Voilà, déjà pour commencer. Et... Oh, ça c'est pas grave, ça. S'en fout. Et ensuite... Ah, 14. Oh. Ah, c'est les nobles troyens qui me cassent les roustons. Ah. Bah, t'es obligé de la faire, celle-là aussi. J'ai pas envie de perdre des unités encore, là, ça me saoule. L'avantage que j'ai, c'est que certes, ils ont quelques tireurs, comme par exemple les nobles, mais par contre, j'ai les coureurs des djinns, et eux, ils sautent dans tous les sens, c'est les Usain Bolt de la bagarre. Et de ce côté-là, je vais pouvoir contourner de ouf, et du coup, faire la bagarre de ouf, sur les flancs. Parce que tout le monde sait, les flancs, c'est la vie. Ok, alors... Ah. Ah, quel dommage. Ça, c'est ballot, ça. Et ouais, puisque du coup, vu que le jeu est pas très juste des fois, bah... les renforts vont apparaître là. Ah bon, lui, il va crever en 3 secondes, comme ça, c'est fait.
Alors attends, par contre, sont où les autres? Ah voilà, ils sont là. Alors attends, faut juste que je me méfie parce qu'il y a Hector qui va arriver avec son char de bâtard là. Il va me taper dans le cul. Ah, j'avais oublié ce petit kiff personnel de voir toutes ces unités se foutre sur la gueule. Oh, regardez-moi ça, c'est quand même merveilleux. On dira ce qu'on veut, mais des hommes qui se foutent sur la tronche, c'est quand même vachement sympa. Ok, alors de mon côté, je n'ai perdu personne, tout va bien. Alors par contre, ouais, alors attends, je vais replacer ces unités-là autrement. Donc là, en gros, il reste que Hector. Hein. C'est ce qui arrive, dans 20% des... dans 99% des batailles de 3. Parce que Hector, en fait, il est ultra pété comme héros. Il est quasiment intuable. Et en fait, il va me dégommer je ne sais combien d'unités avant de mourir. Ça va être un peu long. Donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant... Bon, là, après, la bataille principale, elle est réglée. Hein. On va pas non plus passer 20 ans et épiloguer pendant 20 ans. Oh. Ouais, même, putain, même avec les trucs là, c'est ouf. Hein. Alors attends, parce que eux par contre ils vont me casser les couilles. Hop, voilà. Parce que les frondeurs là, ils vont faire 3 secondes. Aïe. Et ouais, c'est là où c'est la tuile. Alors attends, ça on arrête. Ça on arrête, parce que sinon ils vont faire plus de dégâts que Hector lui-même. Ah la vache, ah il m'en dégomme hein, des mecs. Hein. Ah, il m'en dégomme de ouf. Vous verrez les stats hein, après la bataille, ça va être terrible. Ah, c'est bon. On a réussi à l'avoir. Bon, on l'aura pas. On l'aura pas entièrement, mais on a réussi à l'avoir en tout cas. Je vais essayer, mais à mon avis. Non, ça va être trop long, ça va être chiant. Le mieux en fait, vu que de toute façon, une armée ne peut pas perdre deux. Oh la vache. Oh, il m'a tué 147 mecs. J'ai perdu 211 mecs, mais sur les 211, il m'en a tué 147. Quoi, c'est un truc de malade. Faut bien croire que c'est l'un des héros les plus forts après, après Achille évidemment, mais quand même quoi. Ouais, je vais renforcer parce que sinon... Et là par exemple on va le faire en... Alors attends... Ah non je peux pas, merde. De toute façon voilà. Et bah j'avais pas le choix parce que j'étais dans le rayon de la ville, donc Voilà, ouais dans ça je vais occuper. Parce que de toute façon les villes là je vais en avoir besoin. Ah puis lui il va pouvoir se barrer, ce chien de la casse. Ce gros chien. Ah là là. Bon là à mon avis, ouais bon c'est bien ce que je pensais. Le problème des unités comme ça, en fait si tu les utilises pas en bataille, bah en fait elles se font défoncer sur la réseau auto. Parce que c'est pas des unités lourdes et... C'est chiant. J'ai pas d'autres mots. Il est quand même vachement long, hein, ce... Alors, attends. Il est quand même vachement long, cette partie. Alors, hop. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? De la construction. Si tu veux. Alors, attends. Ah non, là, il faut se mettre un truc de garde, là, parce que... Voilà. 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 Ensuite, bam, bam, bam. Là, j'enchaîne, hein. Normalement, tout est bien optimisé, tout est bien pensé. Puis, de toute façon, je sais à peu près ce qu'il me faut, aussi, hein, donc... Pas y passer 20 ans. Là. Ah, j'en ai pas déplacé. Ok. Va faire un tour par là-bas, là, voir ce qu'il y a. Parce que ils ont quand même encore beaucoup de villes et je suis un peu surpris de ne pas voir d'armée. Donc soit ils sont planqués quelque part, soit je sais pas. Et dans tous les cas, c'est un peu curieux. Ah oui, lui je lui ai demandé d'aller là. Lui normalement, voilà, c'est ça. Je lui ai demandé d'aller là. Voilà, comme ça au moins il va prendre tac 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 toutes les villes là au fur et à mesure. Alia est pas très bien, pas très très futée quand même par contre. Ça c'est un peu malheureux mais... Ah oui c'est vrai, on avait dit que là... ça ne marcherait pas non plus. Voilà. Et après un petit point de compétence pour la dame. Oh. Plus 10 heures. C'est bien ça. C'est très très bien. Un truc qu'il m'aurait fallu il y a un moment mais c'est très très bien.
Voilà, comme supposé, lui se barre, évidemment. Ah, mais oui, mais non, mais ouais, mais attends, ouais, voilà, c'est eux là qui m'ont. Ils vont me casser les coucouilles là. Voilà. Ah, oh, ah oh. Et merde. Ah, oh, putain, j'avais oublié ça. Putain. Faut que je prenne ces deux villes là. Pour me faire en fait un point. Un point central où je vais. Ah, les bâtards. Pour me faire en fait un point central où je vais pouvoir aller taper toutes les villes. Comme celle-ci en l'occurrence. Ah non, celle-ci en l'occurrence qui s'appelle 3, n'est-ce pas? Hop, alors voyons voir s'il y a. Oh, petit peu de monde là. Hein. Voilà. Bon. Alors, je pourrais les rejoindre, mais que au prochain tour. Ça me daille un peu. Oh, mais c'est bon. Celui-là, le sceptre de Jason, il aura pas d'usure. C'est bien, ça, putain. Alors, ici, est-ce que ça marche? Ou est-ce que ça ne marche toujours pas? Ah! Voyez, là. Là, à gauche, s'il y a les petites gouttes, là, pour dire, ouais, on va perdre des mecs, c'est bon. Tant que ça... Tant que l'unité disparaît pas, en fait, je m'en fous. Ouais, non, on va les occuper parce que le risque que c'est qu'après ils les reprennent par un truc X ou Y et après ça va me casser les couilles. Alors. Non, non. Hop. Alors. Bon, bah là on s'en fout de toute façon. On va mettre juste du bonheur et au moins comme ça. Au moins comme ça, voilà quoi. Achille, au lieu de te palucher la nouille. Non, toi, tu vas monter vers le nord, mon petit coco. Parce qu'on va avoir besoin de vos lumières, n'est-ce pas? Voilà. Il faut prendre les grosses villes, hein, sinon... Ah, c'est aîné, ça, non? Ouais, c'est ça, c'est aîné. En fait, voilà, leurs armées, actuellement, c'est ça. C'est des héros qui se baladent par-ci, par-là. Ils font leur vie. Oh, putain. Oh, non. Ah non, en plus ils ont des archers de renom, des épices de renom, c'est que des unités de bâtards. Oh. Ah là là. Fait chier quoi, putain. Bon, on en est où là? Alors attends, on va pas faire de conneries. Non, c'est bon. Parce que si ça passe. Ah, enfin. Ouais, ça c'est bien ça. Alors, donc là après, ok, ok. Reste que les villes là. Ah non, c'est leur ville à eux. Putain, ils ont une ville, ils ont quand même une big armée de bâtards quoi, ça me fume. Et eux, ils font des armées de lanceurs de cailloux là, putain. Ah, ça me fume. Oh là là. Alors, Lesbos. Allez, du bonheur, tiens, on s'en fout. De toute façon, les ressources, je pense qu'on en a suffisamment comme ça. Ça, on s'en tape. Hop, et hop. Là, au niveau des armées, de toute façon, on est full partout. Allez, let's go. Tu dis let's go. Non, mais... Ah oui, c'est vrai. Ok... Ouais, il m'en bat les races. Là, tu vois, ils lâchent rien. Hein. Ils ont plus rien, mais ils lâchent rien quand même. C'est un truc de malade. Ah, les chiens, quoi. Ah, les chiens de la casse. Ah, merde. Ah, lui, il va faire une armée de bâtards. Ouh, là, faut se méfier aussi. Hein. Ouh, encore un peu de monde, quand même. Hein. Ah. Ouais, alors là... Là, malheureusement, jamais ça passe. Voilà. Alors, je sais pas s'ils ont pris la ville ou pas. Alors, autoriser le commerce. Alors, l'influence, non. Ah, ça, c'est intéressant. Sachant que... On est en quelle... Ah, ce qui veut dire que je peux refaire... D'ores et déjà, des petites choses sympas. Petit machin, quand même. Ok, bam. Ouais, 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 ouais. Hop là.
Alors, je vais pas me mettre ça parce que ça sert à rien. Pas me mettre ça non plus parce que ça sert à rien. Hop. Ouais, il faut prendre cette ville là. Hein. Il faut prendre Sestos. Oh, les chiens de la casse, putain, c'est pas vrai. Ouais, tu vas voir. Je suis arrivé. Il va filer la queue entre les jambes. Ça va pas faire un pli, putain. Ok, alors c'est là où ça devient intéressant. Oh merde. Mais, là dit comme ça, on se fait éclater la moula. Sauf que là comme ça, j'arrive avec Achille, et là... Et là il se passe quoi? Et là il y a juste mes chars qui prennent un peu d'arrivée, mais ça c'est pas grave. Voilà, wow, ça va. Ouais non, ça je le prends. Et là normalement, j'ai un nouvel ordre. Hop. Alors ça c'est quoi déjà? Peut-être se mettre un truc ouais, où on peut recruter des myrmides. Ouais, mais de toute façon, la ville, elle est niveau 3, donc... Je me rappelle que c'est pété, quand même. Bon, faut attendre 40 ans pour avoir tout ça. Mais par contre, une fois que tu l'as, c'est quand même ultra pété. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais faire la... truc, voilà. Hop, ça, je le garde aussi, ça me servira. Et alors, par contre, vu que je suis quasiment sûr et certain que lui, il va me faire encore une dinguerie... Ouais, j'aimerais bien retourner vite sur cette ville, pour éviter qu'il y ait l'autre con qui soit tenté de faire quelque chose de stupide. Ah oui, c'est vrai qu'on peut construire instantanément les bâtiments. Bon, moyenne en finance, mais... On peut quand même le faire, en tout cas. Pam 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 pam. Oh, ils ont que des villes avec les... Oh, ça va être un enfer. Ça va être un putain d'enfer. Regarde-moi ça, il y a que des villes à 14... Oh là là. Et que des villes fortifiées en fait. C'est Ah, sans déconner quoi. Alors, des rebelles. Ouais, ouais, super, ils vont pouvoir rien faire. C'est génial. Regardons d'ailleurs les objectifs. Assurez-vous que les factions suivantes sont détruites ou confédérées. Battez votre première faction antagoniste. Oh, dans tous les cas, eh, franchement, même avec ça, en fait, on en a encore pour un moment. Hein. Ah putain, va falloir faire le rouleau quoi. Alors, falloir faire le rouleau compresseur. Alors, qui c'est ça? Oh. Ouais, ça c'est mieux ça. Ok, alors ensuite, la construction. Oui, lui. Lui, lui, lui. Lui. Lui aussi. Alors, héros en garnison non déplacé. Très bien. Ah, mais même là, en fait, le problème... Faudrait peut-être que j'envoie une armée en bas quand même. Hein, pour faire le ménage. Parce que vous voyez, il y a des villes comme Millet, là, etc. Ça va mettre 40 ans avant d'être... Bon, toi, tu peux rester là, mais... On va prendre les petites villes. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire en fait là. C'est... T'as pas d'autre solution parce que si je les rase, ils peuvent venir les reprendre et tout machin. Ça va être super long. Quoi? C'est une blague. Oh, quel odieux scandale. Oh putain, j'ai envie de péter un câble. Ah, quand ça fait ça, j'ai envie de péter un plomb, mais putain. Ah, ça m'énerve. Ah. Putain de réseau auto de... c'est mort. Bon, ici, il se passe quoi, là? Voilà, très bien, il y a un autre connard. Ah, putain. Putain. Allez, vas-y, c'est bon, ça m'a cassé les couilles. Ah, merde, quoi. Putain.
Alors, ça c'est quoi? C'est Hector, il sort avec ça, ça, ça. Oh, il lui pète le cul. En plus, sans trop de difficultés, apparemment. Normal. Ouais, on va prendre le renfort, de toute façon, le reste, on en a pas besoin. C'est dommage qu'au bout d'un moment, il n'y ait pas un truc qui fait... comment dire? Que même les héros, là, les héros principaux de faction, même si normalement ils sont immortels, hein, ils peuvent pas mourir au combat, mais je sais pas, qu'il y ait genre un truc qui fait qu'au bout de 10 victoires, le mec peut plus assumer son rôle de commandant, quoi, parce que bah il est nul, quoi. Je sais pas comment expliquer. Ok, bon, lui faut que je keblo. On va essayer de le keblo comme ça. Lui là. Là. Petit fils de. Ah, oh, je pète le cul. Oh, la violence. Bim. Ok, ça, je récupère. Ça, très bien. Ça, très bien. Là, très bien. Là, très bien. Et là, très bien. Ah ouais, non, après, ça me coûte trop cher de faire tout ça. Ça, il viendra l'aider là. Parce que là, les armées, en gros, il faut que ce soit un peu comme les couilles. Il faut que ça marche par deux. Si ce n'est pas par deux, ça ne marchera pas. Alors, est-ce que je perds les gonzes? Non, ils sont juste blessés. Là, c'est pareil, on continue. Ah, je vous ai dit, hein, là c'est le rouleau, là. Là, c'est Jason de rouleau, là. Ok, là, on est bon, là, on est bon. Très bien. Ça, Achille, voilà. Ça bouge ici. Oh, mais regardez-moi ça, ils sont 16, là, ils sont 14, là, ils sont 14. Oh là 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 là. Ah, ça va être un enfer. Bon, ensuite. Ouais, mais elle a des armées, mais pourries. Elle va se faire éclater en deux secondes. Ah, ça me saoule, cette IA de merde. Ok, et ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement? Ah non, mais attends. Ouf, quoique. Parce que ça, en fait, le bronze s'en fout un peu, donc j'ai envie de te dire, ouais, non. D'ailleurs, attends. Non, c'est laquelle? C'est celle-là. Vas-y. Comme ça, au moins, déjà, bam. J'ai 14 unités qui restent en garnison. La ville, elle pourra jamais être prise. Donc ça, ça me va bien. Par contre... Ah ouais, merde, en fait, il leur reste une ville. Ah, c'est con, là. Donc en fait, ouais, non, j'ai plutôt intérêt à aller en haut. Ah, merde. Évidemment... Et quoi si je sors? Ouais, je me régène toujours. Ouais, mais je me régène parce que je suis dans mes terres. Et là, et voilà, je suis plus dans mes terres. Et mais tant pis, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Ouais, si tu veux, ça te fait plaisir. Alors, avec notre petite amie... Ah bah voilà. Bah très bien. Alors attends. Pour une fois qu'ils font un truc pertinent. Ok. Merde. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Comme ça, on pourra les aider dans leur bagarre. Avec leurs deux armées, là. Bah, faut aider Elia, hein, parce que malheureusement, elle est un peu handicapée du cerveau. Ok, eux, ils ont ça, mais malgré ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que c'est des bouseux. Ok, ensuite, un ordre disponible. Très bien. Bah, ça, les ressources, hein, de toute façon. Hop. La ville, oui, ma foi. Ah, je me rappelle quand j'avais fait les guerres du Nord, là, c'était long aussi. Alors, tir en mouvement. Non, on s'en fout un peu du tir en mouvement, en fait. Ah. Qu'est-ce que c'est, ça? Non, c'est bon. Hop. Zou, tais-toi. Tais-toi, le monsieur. Oh là. Ah putain, ils ont encore du peuple. Oh la vache, ils vont me casser les couilles. Ah, comment je peux faire? Ah. Paris, la petite pute, le retour. Ah. Est-ce que je peux arriver à faire ça? Non. Ah. Et là... Alors là, je...
Je suis blessé, mais en soi, je perds pas d'unité, normalement. Je te préviens, si j'en perds une, ça va chier. Non, c'est bon. Je vais bien, tout va bien. Ok, là, il me faudra un truc pour la reconstitution, là. Ce serait bien. Je sais pas si ça existe. Je sais plus. Non, non, non. Non, il me faudrait plutôt un... Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est pas grave, ça. Hop. Comme ça, on va pouvoir prendre les villes à deux ici. Bam, 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 bam. Là, ce qui me dérange, c'est que, putain, Etria, ils sont en train de se refaire du monde, mais de l'autre côté, si je... De l'autre côté, si je leur pète pas les dents... Ah, qu'est-ce que je fais? Attends, c'est qui l'unité, l'armée la plus balèze en soi? C'est eux? Je dirais que c'est celle de Patrocle, ouais. Ah oh, non, ça le fait pas. Ah oh, merde, là, la connasse de prêtresse. Putain. Ah, chier. Bon, on va essayer à deux. Est-ce que... Ah non, à deux, je perds ça aussi, c'est une putain de blague. Putain. Ou alors, il faut que je la fasse moi-même. Comme d'hab. En fait, il y a que des tireurs, ça qui fait chier. Ouais, vas-y, on va la faire. En plus, ça va être une bonne bagarre, ça, je sens. Ça devrait être rigolo. En plus, ils ont vraiment que des tireurs. Et en... Ah, et en plus, les harpies, putain. Après, moi, j'ai mes archers de renom. Ça, ça devrait faire le ménage. Les coureurs thessaliens. Ouais, j'ai du beau monde, hein. J'ai du beau monde, quand même. Donc, normalement, ça devrait le faire. Alors, attends, mes renforts, ils apparaissent. Ouf. Ok, alors, les autres renforts vont apparaître de là. Donc, ça veut dire que, théoriquement, ils vont attaquer ce côté. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà attendre ici. Attendre ici et l'autre et l'armée ira prendre l'autre flanc. Les dieux nous bénissent. Les ah merde. Non, c'est bon. Normalement, c'est bon. Personne n'a de la portée. Ouais, c'est bon. Ok, alors attends, lui, voilà. Oh putain. Ah, le bordel. Non, attends. Tac. Non, c'est pareil. Tac. Voilà. Oh putain. Oh le monde. Où est mon Minotaure s'il vous plaît? Attends, mais ils sortent? Ah non. Je croyais qu'ils sortaient. Je suis fou. Non mais attends, mais normalement je suis censé avoir un Minotaure là dans l'histoire, il est où? Ah. Le voilà. Ok, alors, donc là, bam, on va se positionner comme ça et on va voir ce qui se passe. Alors, de l'autre côté, avec E et E, on va faire déjà une première ligne. Ensuite, ça, bam, une deuxième ligne. Et enfin, ça, en arrière. Ok. Ensuite, ça, là. Là, et enfin, ça. Là. Allez, messieurs, dames, en avant. On n'a pas la journée. J'avais oublié à quel point il était bien fait, ce jeu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, putain. Ils sont pas magnifiques. Sans déconner. Bon, à part ce petit machin, là, mais franchement... vachement beau. Ça, ma chérie, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'on est en position, messieurs, dames? Pas encore. Plus ça va, même les épéistes lourds, là, ils ont couru 200 mètres, mais ils sont pas fatigués.
Alors, donc là, on va essayer de faire un truc combiné. On va faire ça proprement. Ça, ça me semble pas mal. Ok, mettons la pause. Ok. Ensuite, bam. Lui, il va charger là. Eux, ils vont attendre sagement. Et eux, ils vont se mettre en position là. Comme ça, ils vont tirer. Ensuite, de l'autre côté, c'est là où par contre ça va faire mal au derche. Ouais, non, en fait. Faut qu'il y ait tout le monde qui monte. Voilà. Ensuite, eux, ils vont se mettre en position là. Et lui, il va monter aussi. Ou alors, je lui fais défoncer la porte. Ou alors, je lui fais défoncer la porte. Et eux, les archers, ils vont venir se mettre là. Et là, normalement, tout le monde bouge. Let's go. Putain, j'avais oublié lui. Attends, mais il est sur un char? Pourquoi il bouge pas? Ah oui, non, il est sur un char avec les... attends, tuc. Voilà. C'est parti. Attends, mais c'est quoi qui tire autant? Ah non, c'est les tours, ouais. Oh, le Minotaur. Waouh. Regardez-moi ça, là. Avec un beau ralenti. Ah, oh, c'est beau. T'imagines, n'empêche, tu te lèves le matin, puis tu vois ça. Ça donne pas... Ça donne pas envie, quand même, hein. Allez, c'est parti. Vos échelles sont sur leur mur. Ok, bon, 3%, ça va être long. Ok, bon, normalement, les javelistes, là, ils devraient faire mal un peu. Ok, donc là, il y a tout le monde qui monte. Ok. Vos guerriers attaquent les portes. Non, c'est bon. Ok. Bon, on devrait perdre quelques mecs, évidemment, hein, mais bon, normalement, ça devrait le faire. Okay, bon, même eux, sur les remparts, là, ils prennent quand même sacrément tarif. Hein. Mes archers, là, ils font le café. Ah, c'est la harpie, ça. Y'a plus personne qui sait où donner de la tête, tellement ils se font savater le cul. Ah la vache. Ah, quand même, hein. Ah merde, les javeliniers sont trop loin. Ah, le plan nul. Oh là là. Vous êtes sur le point de capturer les portes. Ah mais attends, les portes, on va faire plus simple, hein. On va les prendre sinon. Allez, let's go. Ok, là les trois là. Allez, on descend, on va dire bonjour. Nous allons saluer ces messieurs dames. Ah là, ils sont là, là. C'est les loups de mer. Non, c'est les lanciers de Phtis. Oh putain, avec la... avec la pluie de flèches, littéralement. Ah, ça doit faire mal. Ah, la vache. Ils se font éclater la moula. Vous avez capturé les portes. Bon, comment ça se fait que j'ai pas encore gagné, là? C'est quoi ce bordel? Il reste encore des troupes. Ah, mais là, si leurs troupes, elles arrêtent pas de passer leur temps à courir, ça va pas le faire. Bon, là, eux, là. C'est quoi ça? Chanteur de guerre? The fuck. Ouais, c'est juste des mecs avec une lance, quoi. L'ennemi attaque les portes. Attends, faut envoyer les chars, là. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font, là? Votre héros se fait attaquer. Les dévots de Pan. Ça, c'est spécial. Ouais, c'est ça, c'est espèce de mec avec des fourrures de loup et de castor sur la tronche, ou je sais pas quoi.
Oh là, par contre, oh, ils vont se faire éclater là. Là, ils sont en face des épéistes lourds. Ah, ils se font savater de ouf. Ah, ça fait tellement plaisir. Et voilà. Ça vous apprendra, tiens, bande de mécréants. Ah, oh, putain, trop stylé. Regardez-moi ça. Avec l'eau là, le sang dans l'eau. C'est génial. Les portes de la cité ont été détruites. Bon, où sont mes putains de chars? Oh la vache. Ah, oh, il en reste encore. Hein. Nom de Zeus. Alors attends, qui c'est qui en a resté-il? Ah! Ah non! Alors par contre, ce qui est un peu moche, c'est que ça paraisse d'un coup, genre explosion de sang. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Ah mais c'est... Non, attends. Ah mais voilà, c'est ça, c'est Diomède. C'est Diomède et Ressos. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Et donc là, d'accord, c'est Diomède, ça. Donc c'est le... Ah ouais, c'est la Champions League, quoi, en gros. Ah la vache. Il est violent, quand même, le garçon. Allez, où? Hadès a rappelé le héros ennemi à ses côtés. Mais j'aimerais bien voir les chars un peu en action, mais ils font n'importe quoi, là. Ça me saoule. Ils sont graves à la ramasse. Ouais, non, vas-y, ils vont mettre 40 ans à arriver, c'est même pas la peine. On va pas s'emmerder pendant 20 ans, hein. Ça, c'était sympa comme bataille. Vous voyez, mine de rien, là, je suis quasiment à la fin de la campagne, hein, donc techniquement, je roule des mers par paquet de 12, mais il y a quand même encore des petites batailles sympas. C'est ça que j'aime bien, en fait, avec Total War, c'est que même une fois que le jeu est quand même bien acquis, bah, il faut quand même pas se reposer sur ses lauriers, quoi. Il y a quand même des choses à gérer. J'ai quand même perdu pas mal d'unités, hein, mine de rien. Donc, ça que je kiffe bien. Non, puis c'est vraiment un jeu qui est hyper prenant. Ce que je vous recommande aussi, si vous aimez bien les Total War, c'est Rome 2. C'est vraiment génial. Toutes les unités sont bien faites. Quand vous faites des armées romaines, là, avec les milliers et les milliers de prétoriens, c'est juste un régal. Un gros, gros régal, sa mère. Non, non, franchement, c'est vraiment le grand kiff, quoi. Gros, gros kiff, ce jeu. Alors, plus 8 à la défense en mêlée. Alors, d'unité de bataille de siège, ça va servir. Alors, le risque, c'est qu'au prochain tour, bah, du coup, je perde. Je perde des choses. Hop. Hop. Bah, ils ont arrêté, du coup? Quoi de bordel? Ah non mais vas-y mec, on attaque là, non? Il est con quoi? Alors attends, on va commencer à remonter vers le nord du coup. Hop. Ah non, là on encercle et puis on va attendre qu'il y ait l'autre armée qui arrive du coup. Mais j'aimerais bien qu'ils soient tous full là. Enfin, je vais attendre encore un tour histoire qu'ils soient bien rechargés. Hop. Voilà, ça c'est bon. Hop. Ok, ensuite. Voilà, lui. Lui, il bouge pas. On pourrait commencer à la rigueur à siéger ici, là. Ouais, parce qu'en plus de tour et tout le bordel, ouais, non. En soi, c'est vrai qu'en plus, je pourrais attendre à chaque fois, hein, parce que le temps qu'il se rendre, après, la garnison est baisse et tout machin, mais bon, ça prend un peu plus de temps, c'est long, et puis c'est lâche, quoi. Donc, moi, ça me plaît pas. Ça me va pas. Voilà, ensuite, Itac, faut que je leur donne une cible aussi, là. Mais voyez, il y a encore plein de grandes villes, là, en bas, ça me saoule. Ah, ça me saoule, putain, l'IA qui a 20 000 armées, là, mais 20 000 armées qui servent à rien. M'énerve. M'énerve, m'énerve, m'énerve. Putain, c'est nul, quoi, mais c'est nul. Oh. C'est nul à chier comme armée, putain. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? Que des armées de gueux, quoi. Eh ben putain, on n'est pas sorti du sable. Hein.
Eh merde, j'en étais sûr. Non, c'est bon, il est pas venu. Oh, putain, je vais peut-être avoir du bol. Lui fait quoi, lui? Oh merde, il va prendre la ville. Ah putain. Rumeur de faiblesse. Ouais, rumeur de faiblesse, pourquoi pas, mais... Enfin, les rivaux, j'en ai déjà... les héros vaincus, j'en ai déjà vaincu pas mal, quand même, donc bon. Mais allez-y, je vous en prie, hein, envoyez, envoyez donc. Envoyez donc vos villes gueux. Ouf. Bon, là, on va attendre tranquillou. Ensuite, là. Bim. Oh non, c'est une blague. Oh putain. Ah non, j'ai pas encore envie de perdre des bonnes unités, là. Ça m'agace déjà, c'est comme ça, donc non, non. On va attendre un peu. Attends. Alors, on va attendre. Voilà, voilà, là aussi. Hop, hop. Ah, merde. Ah, lui, par contre, il va me casser les... Il va me casser les couilles, je sens. Bon, quoique, normalement, ça va, on devrait être tranquille. Voilà, la seule ville où j'ai pas mis d'unité en garnison, c'est celle-là, mais celle-là et celle-là... avant que je sois emmerdé, normalement, il y a de la marge. Mais non, mais vas-y, là, c'est bon, on est... Oh, putain. Mais on est 40 armées, mais qu'est-ce que tu... Oh, 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 mon Dieu, quoi. Putain. Bon, je vais me démerder, parce que sinon... Je vais attendre 20 ans encore. Ouais, il faut bien arriver à prendre une ville. Hein. Alors là, en haut, du coup, j'aurai le choix entre prendre ces villes-là. Mais c'est pareil, hein, putain. Si je fais ça, est-ce qu'il va pas venir essayer de me niquer là? Oh. Bon, après, il peut venir essayer, hein. Je pense qu'il va prendre une grande tarte, mais... Quoique là, 14 unités en garnison, je pense qu'en fait, il prend pas ma ville, hein, et c'est pour ça qu'il vient pas. Peut-être pour ça, ouais. Alors, tuc, tuc. Ouf, toujours ça de gagner. Hein. Ah merde, non mais. Putain. Et ça, c'est normal. Jusque-là, tout va bien. Bon, l'IA qui n'avance toujours pas, hein, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Ah. Et merde. Bon, ben voilà. Hein. Franchement, avec tous les archers de renom, là... En fait, c'est ça qui me... Ça aurait été des unités normales, j'aurais peut-être pu les bloquer, mais là, les archers de renom... Ah, le fils de pute. Il a pris ma ville. Ah. Oula. Agile. Attends. Achille est aveuglé par sa colère. Cette rage peut se révéler utile sur le champ de bataille, mais elle peut affecter la capacité de prendre les bonnes décisions en temps de paix. Vous pouvez laisser sa rage le consumer ou indiquer cette colère avec tes présents. Ah. Plus 25% aux dégâts. Par contre, ça fait tout ça de l'autre côté. Moins 50% sur la croissance. 6% de taux de reconstitution de toutes les victimes. Oh. Bon, là, après, théoriquement, c'est la bagarre. Ouf. Là, par contre, ça pique. Hein. Mais ça, c'est pas grave, c'est un détail, ça. Alors, attends. Ah putain. Ah ça veut dire... Ah là il est colère là. Ah putain. Rien qu'à la voix ça s'entend. Allez bam. On est pas là pour... hein. Voilà. Ah là ça s'entend qu'il est colère là. Ouais c'est bon. Ok. Oh non c'est une blague.
Oh là là. Putain. Ah, mes agents, c'est de la daube en boîte. Voilà. On va se faire des foules garnisons de partout, parce que j'ai pas encore envie de passer 40 ans à récupérer des villes de merde. Bam. Attends, il est parti où, Paris de Troyes, dans l'histoire, là? Parce que je sais qu'il était par là il y a pas longtemps. Donc il doit être dans le coin. Et où, ce petit branleur? Ah! Enfin! Ah ouais? Putain, elle va devenir bien. Elle est bien pétée, cette armée là. Parce que pour mettre des claques comme ça, quand même, pas donné à tout le monde. Faudrait s'occuper d'Alicarnas aussi, ouais. Ok, bon, ça ils l'ont pris. Est-ce qu'il y a d'autres qui pourraient prendre là? Les petites villes à la con là, surtout. Mais non, mais Myrna, putain, les gars. Oh là 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 là. Pff. Ah. Ok, bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Construction est donnée, oui. Ordre disponible. Oui. Amélioration de colonie disponible. Oui. Point de compétence. Alors, attends. Terrain de bataille. Il a quoi dans son armée? Ah non, faut que je le mette au sol. Enfin, au sol. En troupier. Et lui, hop. Vas-y, let's go. Bon, en plus, il y en a pas mal quand même. Ils ont des lanciers myrmidons, en plus. C'est vrai que là, ça pique. Hein. Putain. Ah oui, c'est vrai. Alors là aussi. Est-ce que. Pire, j'essaye et puis je regarde si ça passe ou pas. Ah. Évidemment, ça ne passe plus. Ok, j'ai compris. J'ai compris. On va finir sur cette bagarre aujourd'hui. Parce que sinon, on va encore perdre des unités. Ça me saoule. Littéralement. Parlant. Voilà. Putain de merde. En plus, c'est quoi? C'est même pas une bataille de ville, en fait. Ah, oh, je vais tellement charger dans les... Alors là, justement, on va pouvoir se faire plaisir avec... comment il s'appelle? Avec les chars. Là, ça va être un bain de sang. Une véritable boucherie. Sans nom. Ok. Les dieux nous pétissent. Let's go. Les renforts sont là. Alors là, surtout, la vraie question, c'est est-ce que... Peut-être essayer de faire le tour par là, ramener les chars de l'autre côté. Alors. Donc, verrouiller le... Hop. Ok. Alors lui, c'est un chat. Est à portée de main. Donc de toute façon, on va le mettre avec les autres chars. Ah mais non.
Faut pas qu'il passe par là, justement, parce que ça, c'est de la bouse. Et la bouse, bah, les chars, ils s'en kikinent dedans. Donc, en soi, faudrait plutôt qu'il bouge là-bas. Là, ça, là, et ça, là, derrière. Je pense. On va essayer comme ça. Que ça, c'est quoi déjà? Ah oui, pour l'infanterie lourde. Pour l'infanterie lourde. Ah, mais les chars aussi, hein, normalement. Ok, donc ça, c'est le groupe 2. On le verrouille. Ah putain, ils vont mettre 40 ans là, parce qu'il faut passer par la forêt, tout le bordel. C'est trois nains qui vont à la mine. C'est trois chars qui vont à la mine. Ils passent par la forêt, forcément, ça raccourcit, c'est plus court. Minotaur, il est où? Bon, il charge avec eux, de toute façon, il est suffisamment rapide pour ça. Mais c'est un char de la lignée, ça. Ok. Alors là, ok. Ok, donc eux, ils passent, c'est bon. Bam. Et là, pareil, on va faire le groupe 3. Et c'est parti. Attends. Ah, ça va être un peu long. C'est pour ça qu'on va avancer un peu d'ailleurs. Attends, mais j'ai fait une formation qui est pas très très logique là. Ah putain, les bâtards, ils se cachent. Ils se cachent comme des lâches. Ah, les lanceurs javelots vont prendre tarif. Ah, la vache. Ah, c'était pas forcément un bon plan. Oh là là, ils vont se faire découper. Ah, je fais de la merde. Ah, la vache, la vache, la vache, la vache, la vache. Oh là 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 là, vite. Vite, 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 vite. Ah vite, faut rentrer dans la mêlée là, vite. Putain, ils ont trop de tireurs. Ils ont trop de tireurs, j'ai merdé. J'ai déconné, chef. Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés. Que ce bordel. Voilà, ça va, c'était juste le temps de les choper. Putain, par contre, les javeliniers, ils ont pris cher quand même. Hein. Ouf. Ah, oh, regardez-moi ça, c'est beau champion de Fti, là. Ah, oh, ils sont beaux. Ouf. Bon, j'ai un peu merdé là sur le concept, mais bon, ça le fait. Ça marche. L'essai est valide. Ça c'est bien fait, ça aussi, les espèces d'herbes comme ça. Et encore, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'espèces de sillons. Ouais, voilà, un peu comme les chars là, vous voyez, les chars, il y a des sillons quand ils passent, mais pas les humains. C'est dommage. Ou alors ça se voit pas en tout cas. Ah bon, bref, c'est la win. On va pas y passer 20 ans. Sur ce, messieurs, dames, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui parce qu'on est pas mal. On est même très bien. On est même très très bien. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, en fait, la campagne, c'est pas prêt d'être terminée pour le moment. Parce que même quand on aura pris 3, en fait, il faut de toute façon battre Paris de 3. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va défoncer Paris de 3 en entier, de toute la carte. Et on va se garder 3 pour finir. Genre l'ultime combat, l'ultime bataille, appelez ça comme vous voulez. Hein, mais moi, en tout cas, je vais me la tourner comme ça. Et on se gardera 3, genre vraiment la bonne grosse bougne de ouf. Pour la fin, et ça va être formidable. Enfin, j'aimerais bien déjà que ma carte soit chargée. Alors, voyons voir. Non, ça va. Ils ont pas pris trop cher quand même. Bon, du coup, je reprends la ville. Ouais, bah nice. Ouais, bah en attendant, c'était mal barré. Hein. Donc, on va reprendre la ville.
Ouais, voilà, on va reprendre tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, on va le raser ou machin, il n'y en aura pas pour longtemps. Et une fois qu'on aura pris toutes ces villes-là, on ira se concentrer sur cette petite ville qui est juste ici, qui s'appelle Troie. Avec de la chance, il y aura peut-être même Hector dedans et on va peut-être même pouvoir se marrer. Voilà. Allez, sur ce, les amis, à la prochaine sur le district.